Jacob et Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis des éditions Manabook, si je dis pas de bêtises. Je pense que j'ai réussi maintenant à retenir l'adresse postale parce qu'à chaque fois il y a l'adresse d'écrit. Donc on se retrouve pour un colis des éditions Manabook que je n'ai une fois de plus pas demandé. Mais j'ai hâte de découvrir quel titre ils m'ont envoyé, sachant que je n'ai pas fait attention une fois de plus. Ça fait un petit moment que je le redis, mais je ne fais plus attention à ce qui sort en ce moment au niveau des mangas. Tout simplement parce que j'essaie de ne pas me donner envie d'acheter de nouveautés, vu que je me concentre sur vider un petit peu ma pile à lire. Donc on va découvrir ça ensemble. Et je voulais vous dire un truc, mais en fait ça sert pas à grand chose. En fait je devais être en colloque avec une maison d'édition, mais j'ai jamais reçu le manga. Voilà. Donc c'est The Goal Slaying Demon King. Voilà. Donc il y a le petit papier, ça va être pratique ça pour savoir un peu plus de choses. Voilà à quoi ressemble la couverture, qui est vraiment dingue. Donc si ce n'est pas si je n'ai pas pu te vaincre dans cette vie, je le ferai dans la prochaine. Eram, le roi démon, le plus puissant de toute l'histoire, se rebelle contre le dieu qui préside au destin de son peuple. Il refuse de lui offrir des vies en sacrifice. Après une longue et violente bataille, il perd la vie inéluctablement. Mot compliqué pour moi, c'est super. Tout démon est par nature entièrement soumis au contrôle de ce dieu qui ne peut donc pas le vaincre. Eram avait beau être le plus puissant, il n'avait aucune chance de l'emporter. 5 siècles plus tard, il se réincarne dans le corps d'un jeune humain, race la plus faible de toutes, mais il l'a choisi à cause de son immense potentiel. Le chemin sera long et périlleux, mais l'heure de la vengeance vient de sonner et la clémence n'est pas une option. Ça m'a l'air plutôt sympa. On va juste d'abord regarder le petit papier. J'ai cru que c'était en mode billet, style billet de spectacle quoi, mais non, non, il y a toute une... Voilà. Donc j'ai le résumé de Romy, c'est ça au milieu. Je n'ai... Donc il y a la phrase d'accroche. On a quelques illustrations du manga. Alors, les choses importantes sont date de parution le 3/10/2024, donc 3 octobre, donc c'est bon pour vous. Moi je l'ai reçu pendant que j'étais, je crois, en vacances du coup au Maroc. Et il sera au prix de 7,95€, tome paru en VO, 3 pour l'instant. Voilà, ça. Ah, et donc on va voir la quali. Waouh! C'est sorti tout seul, pardon. Je suis désolée si je vous ai fait peur. Mais j'ai adoré la qualité de dessin. Donc voilà, le petit démon. Enfin, le petit humain, du coup, plutôt. Oh, j'adore. Voilà. J'adore la qualité des dessins, j'ai vraiment vraiment hâte de le lire. Et j'avais jamais fait trop attention, mais Manabook met des sous-catégories comme ça ici. Et là il y a marqué épique. Ah oui, sinon il y a XOXO, ouais, pour leur collection Shonen Love et tout ça, donc voilà. Donc là c'est dans la collection épique. Donc c'est tout en ce qui concerne cette petite vidéo présentation. Je vous ferai un point, je pense, en... alors pas d'ici prochainement, mais je vous ferai un point, je pense, en décembre sur tous les titres comme ça que j'ai reçus en collab depuis ces derniers mois, comment je vais m'y prendre, etc. Parce que là, j'essaie encore de me concentrer vraiment sur ma propre pile à lire. Et ça, vu que c'est pas une demande, ce n'est pas forcément une priorité. Après, si jamais vraiment il y a, ce titre vous intéresse et que vous voulez, j'essaie de le présenter. Que j'essaie de le présenter, oui c'est ça, avant décembre, bah n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est vraiment uniquement comme ça que je pourrais le mettre plus tôt dans ma pile à lire, plutôt que de le repousser un peu plus pour plus tard, quoi. En fait, en gros, je suis en train de te dire que je lirai pas sûrement avant 2025. Voilà, mais n'hésitez pas vraiment à me faire vos retours, parce que c'est vraiment très important. Je suis juste curieux de...
Non, je pensais regarder que ça soit plus sympa, mais non. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Donc, précédente vidéo Manabook, la playlist, comme d'hab, toutes les informations, etc. Plus d'informations dans la barre d'infos, les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes, les codes promo pour quelques sites, etc. Sur ce, à bientôt.